Bonjour, bonsoir frère, bonsoir sœur, combattant pour le ciel, moyo. Zami moyo, comment nous y est avec Jésus? Comment nous y est avec Jésus? Ah, toujours un plaisir pour moi, les moyens. J'ai une chance ça pour me capable venir étudier le son école sabbat ensemble avec vous. Non, pas M. Ariel Théodore. Encore, mon Dieu, nos possibilités pour nous avoir aujourd'hui, pour nous étudier le son 6. Non. Questionnaire ça qui gagne pour titre le mystère de l'évangile. Et nous saluons tous les amis, tous les visiteurs, tout le monde qui c'est première fois qu'a étudié ensemble avec nous. Nous saluons nous et les amis tout qui t'a prié pour nous. Nous saluons nous et voilà les jeunes ont fini. Qu'on a mon prière yo, dès lundi matin, on a commencé une prière là. Si bon Dieu voulait. Donc, et tout bagage fini, bon Dieu permet de 12 monde qui recevoir le baptême au nom de Jésus. Nous mettez les sous, nous mettez cérémonie baptême dans sous chaîne nan wap kapabouel, comment ça dans l'église Bercheba de Carrefour. Ça, c'est le nom qui arrivait, le pour nous capable d'étudier le second sabbat. Comme d'habitude, prends position pour nous capables prier. À ton école, ô divin maître, nous sommes venus nous former. Enseigne-nous à te connaître. Toi-même, apprends-nous à t'aimer. Notre Père des cieux, que tu sois remercié pour tout ce que tu as fait pour nous. Cette grande possibilité que tu nous accordes d'être ici pour étudier ta leçon, merci. Donne-nous ton intelligence, donne-nous ta sagesse, afin de pouvoir non seulement comprendre et bien partager la leçon avec tes frères, avec nos frères et nos sœurs et nos amis. Fais pour nous au-delà de nos mérites, pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. J'ai noté du là, non, le mystère de l'évangile. Verset à mémoriser. À celui qui peut, par la puissance qui aide à l'œuvre, en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église. Et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Les mêmes qui a fait tout bagaille, même au-delà de ça que nous-mêmes nous capables de penser. À lui la gloire, à tout jamais. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Jeudi à ce dimanche, petite leçon, hein, c'est Paul, apôtre emprisonné pour les non-juifs. Et Paul était en prison pour les non-juifs. On peut dire non-juifs ou païens. Oui, nous sommes capables de dire un ou bien l'autre. Si pas malheur, tu attends de nous dire païens, c'est de non-juifs n'a parlé. Et ce qui s'est passé, c'est comme si cette leçon dit Paul, c'est à cause de païens, ça ou non-juifs, ça ou que lui prend prison. Nous ne pouvons pas lire tout chapitre là. J'ai demandé pour nous lire là, chapitre Éphésiens. Mais verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, l'y commencer avec une structure que nous sommes capables de dire qui paraît très très intéressant.
Paul commence ce chapitre-là pour le capable dit que l'in en prison c'est à cause de non-juifs. Li si Paul en prison à cause de non-juifs, qui est-ce qui mettait l'in en prison? Eh bien, juif non-juifs, c'est prêcher, il t'a prêché yo. Pour yo te capable connaître la vérité. Puis yo te quitter l'idolâtrie. Quitter tout ça à faire pour yo venir servir mon Dieu. Eh bien, c'est les Juifs qui te connaissent parole là. Qui viennent faire en sorte que Paul, yo mette lui en prison. Eh bien, Paul en prison, c'est pas prison qui intéresse. C'est pas prison en prison pour les Romains, mais les mêmes lui c'est un prisonnier de Jésus-Christ. Qui ça veut dire? L'idée est barreau, l'idée en prison, mais il reconnaît que dans la prison que lié a, c'est prisonnier Jésus-Christ lié. D'ailleurs, Roméo même, il n'y a pas d'intérêt dans prison, mettez mon en prison. Ça pas ton sentence pour vous. Ça qui est important pour vous, là on en prison. C'est un jugement ou bien une exécution. Parce que papa perd du temps avant. D'ailleurs, même manger au pas bas. Il pas bon bois. Il pas bon rad. Il pas occupé. Donc, mes côtés Paul te vient trouver lui. Mais d'autre part, il y a un chrétien qui trouvait dans la situation ça. Est-ce que le pas t'apparaître humiliant? Est-ce que l'hypothèse apparaît en décourage à monde qui fait qu'accepter Jésus? Est-ce que l'hypothèse apparaît en manque de foi pour t'a dit regardez petit bon Dieu dans prison? Eh bien, Zamim, bam di ou yon bagay. Tendez bien. Ça m'a dit ou là. Paul, t'es dans prison? Souci Paul, c'est pas Romain yo. Mais c'était pour païen ou pour foi ou pas ébranlé. C'est ça que fait les têtes prisonniers de Jésus-Christ. C'est à cause la cause du maître pour l'évangile que lui a annoncé pour lumière que lui a fait. Donc, yo mettez lui en prison. Pour clairvoyance la fait moun yo wè, que barrière qui était gain entre juifs et non juifs là. Éternel Jésus lui-même l'a casé barrière ça. Ils ont metté lui en prison. Paul, d'autre part encore, souci lui pendant la prison, c'est comment non-juif yo yé, comment païen yo yé. Est-ce qu'il a toujours été l'église? Est-ce qu'il a toujours observé bon Dieu? Est-ce qu'il a toujours fait bon Dieu confiance? Et lui-même, dans l'occasion que l'été gagné pour l'été dans la prison, hein? L'été profité à écrit et dans la prison tout, l'été prêché parole là. L'été prêché message là. Et même monde qui était là-haut, tendait parole, bon Dieu. Donc, je nous dis, l'inquiétude de Paul lui-même, l'été pas tourné, il bat autour de la prison que l'été a. Mais c'est impact ça capable faire émotionnellement sous non juif yo parce que tendez en croyant en prison parce que l'on en prison c'était un déshonneur extrême dans culture et l'honneur c'était une honte li te vinn peur te vinn crainte pour que en pile monde pas demander comment Paul t'es fait nan prison. Yon apôtre ka prêché parole bon Dieu. Mais lui-même, malgré ça, li t'ap souffri. Souffrance si c'est pas parce que li ti nan de prison. Mais c'est tout chay moun yo. Fardeau moun yo. Le fait que lui-même li t'a remé au sauvé. Le fait que li t'a remé au continuer et servir bon Dieu. Parce que nous avons des moun, les hommes malheur yon chrétien pour yon bagay yo di, oh, pour Jean et tel fait pause la prière pour ça arriver.
Mais au bas, je me connais parfois. Il y a des malheurs qui vont au monde, c'est pour la cause du maître. Il y a des bagailles qui vivent, c'est bon Dieu qui permet les rivières. Donc, il n'y a pas tout bagaille pour nous faire pause, commenter, nous connaître, nous comprendre plus bien. Il faut nous faire très très attention avec cela. Donc, leçon, c'était Paul, apôtre, emprisonné pour les non-juifs. Parce qu'il était voulu sauver eux. Juifs, mettez-les en prison. Et il était même fait plan pour les tuer. Voyez-le devant. Et chef, pour être capable d'exécuter. Mais bon, Dieu t'a fait grâce. Donc, nous avons rendez-vous pour demain. Pour l'autre leçon, le mystère longtemps caché de l'évangile. On nous ferme les yeux, non? Pour nous capables de prier. Notre Père des cieux, merci infiniment pour ce qu'on fait pour nous. Merci pour le son qui permet de nous étudier. Côté que un bon laïc, un bon chrétien, souci c'est sauver le monde. C'est aider nos seigneurs pour nous capables de penser avec la vie monde au lieu que de penser avec des choses futiles. Seigneur, fais-nous grâce. Aie pitié pour nous épargner de tout ça qui manquait. Et de tout ça, Seigneur, qui t'a organisé contre nous. Sauve-nous et garde-nous au nom de Jésus. Amen. Fais-toi tes droits et tes comptes pour l'étudiant ensemble avec nous. Que bon Dieu capable de faire grâce, que bon Dieu capable de bénir. Merci.